merde alors, on m'a fait pareil. Oh la douche, oh, et nique ton chien. Là, 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 ici, là, où je tape, avec un tibia. Moi, mes mouillés froids, non, il va me rendre aux larmes des yeux. Ah, j'ai mal à la tête. Putain, j'ai une... Oh, tu vas avoir un rhume. J'ai mal au ventre aussi. Un gros rhume. Et que je suis pédé. Avec un gros drapeau. J'enchante mon ski. Ouais, plus 3 en pénétration. Putain, mais... Tu descends. Allez, tu redescends. Oh. Ouais, c'est des jeux amusants de Minecraft. Ouais, si, j'ai ma petite baguette magique. Une la baguette magique, Diablo. Va t'es rétro, Hitler. Il y a une fille qui m'a donné un coup de boule. Ah, c'est qu'elle doit t'aimer. Ah, mais il y a deux filles avec moi, en fait, là. Avec une astique à la main, ça veut dire quoi comme message, ça? Putain, bouillé froid, arrête de traîner ta vessie partout, là. Oh, qu'est-ce que je viens de retrouver? Non, il a respiré sa vessie. Ah, ça fait plaisir. Ah, merde, pardon. Tiens, ma vessie, elle revient. Chou, de pas trop passer. J'espère que t'as bien fait dans ton inventaire. Oui. Ça veut dire non? Si, si, j'en ai une. Regarde, t'entends même le bruit. J'imite bien, d'accord? On m'appelle. Moi, j'en ai une. Il a plus comme le jaguar. Hey, Blue Killer, t'as l'heure? Voilà, je sors. Là, tu pourrais passer par la fenêtre. Toi, là, tu la prends, hein, tu dégages. Non, la porte, c'est trop gentil. Passe par la fenêtre. Mais j'habite au rez-de-chaussée. Ah, bah c'est bon, on reste à un demi-cœur. Eh ben, tu fermes les yeux. Bah, je sais pas qu'est-ce que ça donne en fermant les yeux, mais ça va rien faire, quoi. Bon. Bah, j'ai essayé, bah, ça fait mal. Hein. On m'appelle le porteur de bouffe ambulant. Spray. Puis nous, la face s'est fait tuer par une explosion causée par un creeper. Xavier numéro 2, bonjour. Bah, je vous prie d'aller sur cette place là. Ouais, là où il y a la trappe, bien joué, voilà. Mais au comme ça, fils de pute. Toi, tu mobiles, toi, tu crèves. Le gars il bouffe les os, il fait tu es gentil, mais maintenant dégage. Bonjour les loups, sinon ça va bien dans votre maison. Vache, t'as qu'à de la laine. Faut tuer des poules pour avoir de la laine. Des moutons. Non, surtout des poules. Les moutons, t'as moins de chance. Ah, toujours aussi agréable pour les oreilles, les vidéos de Maximo là. Nous sommes les frères qui rappent. Tout. Nous sommes les frères qui rappent. Tout. Blue Killer. Ouais. Tu fais quoi en fait? Je règle mes options pour faire en sorte que je lag pas et je lag plus là maintenant. Enfin, pas beaucoup. Parce qu'en fait, de ma vue, en fait, tu fais un très bon Mankind Peace, mais c'est tout. Pouh ! Mais dans ton cerveau. Dans ton cerveau. Je suis pas à la maison, moi. J'ai peur, je suis pas à la maison. Ça va, Bleu Killer ? Voilà, qu'est-ce qu'il fait ? Je suis en train de l'emmurer vivant avec de la terre. Ah oui ? Dans la base ? Ouais. Ouais. Ah, génial. Très bien. Ça te dit de faire le truc palpitant du triage de coffre. Ça. T'as toujours un mini zombie, tout va bien quoi. La terre est ronde. Traré, parce que je suis gentil, je te laisse mettre ça. Parce que comme un gros débile, ça fait 20 minutes que je fais. Mon dieu. Damien, il y a un poulpe qui t'a violé par la tête. Que tes cheveux me disent. Bah, écoute, tu peux commencer à creuser juste pile ici. Hein. C'est qui le dernier qui est sorti hein? C'est pas moi, parce que moi ça fait déjà un petit peu de temps que je suis plus là. Peut-être au Moyen-Âge, tu vois, parce que les portes étaient ouvertes, donc peut-être ils ont pas encore inventé. Ou 20 minerais, je viens chez toi, je te tiens un poil. C'est une différence entre voir des papillons qui marchent. Ah oui, et Damien, après faut que je t'envoie quelque chose. C'est l'équivalent de Big Shake. J'aurais besoin de toi et ton talent de casseur de blocs. Bonjour, mes frères, qu'est-ce que vous faites? Au revoir. Bon, vide de graines. Vous mettez une fenêtre au pire là! Non, pas de fenêtre. Fenêtre égale danger. Vous mettez des nichons alors! Je sais même pas quoi répondre à ça. Je suis gentil, je vous donne plein de trucs, c'est gentil. Mais on s'en fout. Damien? Ouais. Tu peux rester comme garde du corps devant la maison? Pourquoi? C'est jamais. Je suis tellement gentil avec Jérémy, cet enfoiré, il me traite comme une merde. Exactement. Et bah voilà. J'annonce officiellement notre ferme est sécurisée. Oh la France, va pas sortir du contexte. Mais c'est ta raison. Pourquoi il y a des coins comme ça dans ta maison? Genre, je sais pas, il va mettre quoi ici? Des chiottes. Ah ouais. J'aime ton champ de blé, Et je l'ai fait anti-zombie, enfin anti-machine.
Qu'est-ce qu'ils ont tous à être putain de salauds avec moi? Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Ça fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Par là-bas, à la sorte. Alors, au revoir. Voilà, conseil. Il y a des étoiles dans le champ. Et on peut faire quoi avec de l'émeraude? Rien. C'est cool, j'en ai 4. C'est le tueur bleu. Allô? Ouais, une guitare. Une guitare. Xavier, tu devrais inventer le Becherel des expressions dégueulasses. Bon, alors je te suis là parce qu'il y a des psychopathes là, moi je te suis. Hein. Ouais, c'est mieux, viens avec moi. Ouais. Eux, c'est le côté obscur. Est-ce que vous pouvez juste la boucler? Ah bah non, il y a tout le monde. Nicky Larson, Nicky Larson. Maxime, trop innocent. T'as vraiment envie que ça se passe. Qu'est-ce que tu racontes toi? Non, t'as dit le meurtre, s'il te plaît. Voilà. Larson, qui? Donc, le charbon, c'est noir. La mer noire. C'est le moment énorme quand quelqu'un vient de quelque chose, personne ne parle. Bah, tu peux mettre un max d'eau ici, s'il te plaît, Jean. Irani est déjà parti. Après, si tu l'appelles, il va peut-être venir, hein, c'est... Oh là, Steve, il doit faire des conneries à la surface, à mon avis. Ça va tout. Et puis, nous, le lapin. Oui. T'as un cadeau dans le coffre, dans ton coffre. Oh merci, c'est gentil. Oh putain, moi j'ai un casque. Je te ferai une pipe. Oh, ça va loin là. Steve, tu vas être content, bonjour, j'ai deux sels. Bonjour, moi de quoi? Oh merci, j'ai deux sels, tu vas être content. Ok. Il m'en reste. Oh, merci. Ta maison, elle va bientôt être plus grande que la montagne. Faut que je cherche du bois. Merci Jérémy, je te payerai à la tâche. It's gay. Oh, il y a un creeper dans notre maison. Sérieux? Genre normal, il vient de sortir de la porte. Genre, oh, j'étais aux toilettes. Genre, j'étais aux toilettes, c'est bon, je peux revenir. Down the way. Oh my god. Je vais pas regarder, mais est cher. Une cinquantaine, je crois. Il a pas regardé, mais il sait que ça vaut cher. N'importe quoi, cette vidéo. Mais c'est pas l'heure de pisser, bordel. J'avais une grosse envie et la table tu viens juste de naître. Ah les gars, ça va être notre mouton préféré, vous allez comprendre pourquoi. Kita, c'est chelou que tu dis ça va être notre mouton préféré parce qu'à chaque fois que je faisais une aventure avec Damien, ils appelaient un mouton ou un cochon Nikita. Pignot de lapin, j'espère que t'aimes le dernier étage. Ouais, il est trop classe. Jérémy, à la limite, ce que tu pourrais faire, c'est de commencer par là, sur ce mur-là. Non, si je tape dans ce mur-là... Putain, y'a pas de cochon. Y'a de l'air, hein. J'ai pas envie de taper le mouton là. Viens, regarde en haut. Oui, il me regarde. Alors, tu es déjà? Oui, je suis content. Moi, je suis pas c'est content. C'est son cadeau pour Noël pour les psychopathes. Il y a un laboratoire. Pour les chevals. Ah, les bah, chevals. Tu t'es transformé en russe. Oui, Jeb. Il a crevé. Je peux te dire l'adresse de là où il est, mais c'est dans un cimetière en fait. One hour later. Kita? Ouais. Sinon, il va bien, Jeb. Je vais pas te dire, mais la couverture est très chaude. ça va un peu dire que t'as pris sa fourrure quoi. Non mais... Ouais, disons qu'il y avait un cadavre, j'ai tiré les poils. Ouais, je me sers vraiment, putain. Je t'ai déjà cherché le coupable. Ouah, je savais pas. Papa, c'est quoi du sperme? Ah mec, Blue Killer, là c'était pas le doigt, c'était la main, hein, le bras. Hein. Connais qui a tué Jeb ou pas? Ah, c'est vrai, tu connais. Dis-moi son nom là, que je vais le taper. Ouais, vous faites rien à part marquer des messages bizarres. GG la vidéo, GG. Dire voilà, que tous les tueurs de moutons vont venir. De toute façon, si un jour j'ai du diamant, j'enfile direct à mon ouvrier portugais préféré. Je ne pointe pas du doigt à un certain mouillé froid. Clin d'œil. J'arrive, je comprends pas de qui tu parles. C'est trop perspicace pour moi. Damien. Même mon manteau bien chaud, il t'accuse. Ah, je sais pas comment vous faites pour faire ça, mais si j'aurais pu écrire, j'aurais marqué « 6 Game Over 7 s'attache trop à des animaux qui savent qu'ils vont mourir parce que c'est des cibles. » Tu viens de poser avec Hitler. Voilà. Wow. Quelle originalité. Ah, d'accord. Maintenant, regarde. Pourquoi je voyais ça. Ah bah oui, c'est trop n'importe quoi, les voisins, là-bas. Y'a un moyen que j'emménage. Je suis pédé. Pédé. Regarde. Je suis pédé avec ce qui est mouillé et qui est froid. Oh, par contre, faut que je refasse ma bite.
microscopique. Tu parles de quoi? De l'arbre ou de sa vite? De l'arbre. Je suis passé gamin pour dire. No, God, please, no! Damien fait présence. Il y a une présence, Damien. Oh, mais tu me dégoûtes. Comment t'as pu mourir? C'est pas prudent de laisser les portes ouvertes chez vous. Et ouais, pour y avoir des gens qui s'incrustent. Yo, les gens! T'es déjà un peu plus énergique que ces deux messieurs. On est motivés. Jérémy? Ouais. Mais moyen, tu me prêtes une torche? Tu m'as quand même demandé une torche. Je veux pas dire, mais c'est pas le truc le plus compliqué à faire. J'ai pas de torche. J'arrive. Oula, calme-toi. Il préfère encore rester à geeker toute la journée. Comme un gros no life. Ah, c'est le moment où j'ai envie de sortir mon dictionnaire de clichés. C'est pour marquer en grand. Les Alsaciens et écrire en rouge, les Alsaciens sont pas mal prétentieux. Les Alsaciens, c'est pas mal. Va te faire un moment, toi. Oh, tiens, ton sable. Mais ça ressemble à du sable, ça. Non, mais parce que je crache le sable, j'ai craché du blé. Non, des graines, parce qu'il y a quand même une assez grosse différence entre des graines. Ouais. Je me sens un peu seul. Et un sans-abri, non? Parce que ta maison était un peu détruite. Parce que là, j'avais de la copelle en train de chauffer, et puis là, tout d'un coup, pouf, fait peur. Je sais pas. Il y en a un qui parle pas depuis un petit moment, et qui a les mains qui brûlent un peu. Mais quoi? Y a pas de fille qui regarde la vidéo? Avec toi, c'est sûr qu'il y en a plus, hein. T'as tout fait. Raciste des binoclars! Bon, on savait même pas que t'étais un binocle. Bah, heureusement que tu nous l'as dit, hein, parce qu'on l'aurait jamais. Maintenant, vu. Dis-nous. Je dois noter quoi? Bah, son numéro de carte bleue, s'il le lâche comme ça. En écoutant tes conneries, elle tombe par terre. Elle tombe raide pourtant en entendant. Xavier, toi, elle t'approche même pas, donc. Toro Titi. J'adore, à chaque fois que Xavier ouvre sa bouche, il dit. Pit. En même temps, ton vocabulaire est limité. Dites-moi, le poison, ça me tue pas jusqu'au bout. Non. Tu l'as tué, la sorcière? Ouais. Ah, ok. Non, parce que... Et l'ironie, elle m'a donné une question de sang. On va dire, mais ouh, c'est joli. Mère, si tu parles du lac? Non, ça, je m'en fous. Moi, je te parle de l'entrée, Jérémy. Comment t'es fait recaler? Oh, donc, je disais, avant que ça coupe, j'espère que l'entrée te plaît. Ah, de quoi? J'espère que l'entrée te plaît. Ouais, c'est génial, franchement. Trahison. Tiens, il y a de l'obsidienne ici. On va dire que c'est bon. Bah. Par contre, c'est qui là qui fait du tam-tam là avec des assassins? Là, on s'en fiche. C'est le père Nikita en train de déguiser ses coudes, en train de frapper les marteaux.